Bonjour à tous, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons voir comment aménager des placards sur mesure. Alors ici, on voit qu'on a vraiment un grand espace hein, avec deux grandes portes en bois, enfin peu importe en fait. Surtout, on a un espace ici qui est assez important, même vers le plafond. Bon, après, ce ne sera pas forcément de l'espace qu'on pourra utiliser au niveau du plafond, mais déjà, utiliser tout l'espace qui est ici. Donc on va commencer par prendre les dimensions. Alors on va prendre la mesure de profondeur. Là je peux avoir des panneaux de 45 cm de profondeur. Alors pour la largeur, je fais vraiment toucher le mètre ruban d'un côté et ensuite je fais comme ça. Alors ici nous sommes à 144,5. Alors ensuite, si on travaille un peu avec les hauteurs, j'essaie de voir à quelle hauteur je veux mes plateaux. Donc là, ici, j'ai fait un repère à 60 en partant du bas. 60, ça fait que je pourrais quand même glisser des objets par en-dessous le plateau et utiliser l'espace qui est vraiment tout en bas. Ensuite, 60, donc j'ai fait le suivant à 90. Parce qu'en fait, en 30 cm comme ça, ça permet de ranger par exemple des boîtes d'archives, des papiers, vraiment des choses comme ça. 30 cm, c'est assez standard en fait. Donc 90, 120, ensuite j'ai fait un 40, donc ça m'envoie à 160. Donc là maintenant on sait combien de plateaux on veut, on sait grosso modo leurs dimensions, donc on va pouvoir aussi calculer comment on fait les fixations. Donc le principe ça va être de faire un U avec des tasseaux, comme ça, et le plateau va venir reposer dessus et il sera vissé par endroits dans les tasseaux. Niveau fourniture, donc vous pouvez acheter du bois dans des magasins de bricolage traditionnels. Moi j'ai choisi de faire appel à une société plutôt spécialisée, bon, une scierie en fait, hein, une petite scierie dans mon coin. Et donc c'est du bois brut, hein, 22 mm d'épaisseur, et donc c'est assez costaud. Maintenant vous pouvez faire en mélaminé, hein, vous devoir, contreplaqué ou en n'importe quoi. Bon après il faut voir que suivant la nature du bois, et l'épaisseur, bon, il y a une résistance après plus ou moins bonne du matériau. Alors ça c'est donc du 2 mètres de long par 50 cm de large, et ça c'est 2 mètres de long par 40 cm de large. Et là j'ai mes tasseaux qui eux font 3 cm par 3 cm, donc c'est du carré. Dans le placard je vais mesurer 144,5 au niveau de la largeur, je vais couper à 144,3, je me laisse un petit peu de marge. Alors maintenant que notre trait de coupe est tracé, on va utiliser une scie circulaire. En tout cas, moi c'est ce que je recommande d'utiliser, c'est ce qui permettra de faire une coupe bien propre, bien droite. Comme équipement de sécurité minimum, je recommande un casque donc contre le bruit et des lunettes au cas où il y a des projections de débris ou n'importe quoi. Pour faire la coupe, j'aurais tendance à faire ça dehors, mais bon là il pleut, donc je le fais juste vraiment à la sortie du garage. Bon après ça va faire de la poussière, de la sueur à l'intérieur, c'est pas très grave, je les suis balayés. Mais ensuite utilisez un support assez costaud et surtout là vous pouvez l'accrocher. Alors là normalement j'utiliserai un établi, là en l'occurrence le mien il est complètement foutu, j'ai dû le balancer, donc là je fais avec les moyens du bord, mais en tout cas c'est bien arrimé quand même au meuble qui est en dessous en mettant des cartons pour éviter de marquer mon plateau. Donc là c'est solidement fixé. Donc j'ai plus qu'à procéder à la coupe. Il faudra faire quand même attention lors de la coupe à la chute de ce morceau-là. Parce que vu la taille, c'est quand même de la grosse chute. Donc j'ai dans l'idée potentiellement de le récupérer. Donc en même temps que je vais faire la coupe, je vais m'assurer que ce morceau-là ne tombe pas par terre. Alors idéalement, faites-vous aider par quelqu'un qui tient le morceau de bois pendant que vous coupez. Ou bien, attrapez-le vous-même. Alors juste avant de couper, truc bête, hein, faites bien attention que vos fixations ne vont pas gêner. En fait, la scie, hein, le moteur ne va pas taper dedans. Bon, ensuite, il faut bien viser. Hein. Il faut que mon encoche à zéro, ici, reste vraiment avec le trait de crayon au milieu de l'encoche.
Moi, je vous propose de poncer éventuellement un petit peu le bord de la coupe, là, pour que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas des chardes qui restent. Voilà, c'est quand même plus sympa. Alors maintenant, donc, je vais découper les tasseaux qui vont permettre de supporter ce plateau. Donc, les tasseaux en fait, vont être fixés dans le placard et le plateau viendra reposer sur les tasseaux. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais couper un morceau ici qui va faire presque toute la longueur. La même chose de l'autre côté. Et puis mettre un tasseau sur tout le fond pour compléter. Donc là, si je prends ma cotte, ben, ce que je vais faire en fait, c'est que... Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, c'était normalement donné pour du 40 cm. Ben, c'est du 40,8. En fait, je vais faire mon tasseau à 40. Comme ça, il y aura un léger retrait. Il sera un petit peu en retrait par rapport à... au plateau, c'est pas plus mal esthétiquement. Voilà, donc j'ai positionné comme ça juste pour voir les bords. Et là, je vois déjà que le bout qui reste va être pratiquement bon, pratiquement la bonne longueur. J'ai plus qu'à prendre la cote de là jusqu'à là. Je retranche 1 cm de marge d'erreur au niveau de la coupe. Comme ça, je suis tranquille. Bon, voilà ce que ça donne, positionné à blanc. Évidemment, je regarde comme si j'étais en dessous le plateau. Hein. Ça, ce sera en dessous. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire des trous là-dedans, 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 et puis bon, tout le long ici. Et en fait, c'est ça qui va vraiment se fixer dans le mur. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe côté placard. Alors, nous voici maintenant côté placard, avec nos pièces détachées, si on peut dire. Alors, l'autre fois, j'avais fait un marquage approximatif ici à 60 du sol. Donc en fait, l'idée, ça va être de positionner ça, comme ça. Alors avec, je pense, 3 fixations, une à chaque bout, une au milieu. Évidemment, pareil pour le fond avec ce morceau-là, hein, avec un nombre de fixations suffisant. Ça nous amène au choix des systèmes de fixation du tasseau dans le mur. Alors en fait, il y a 2 grandes options, enfin, il y a peut-être d'autres, mais soit vous êtes en plâtre, soit vous êtes en placo-plâtre. Alors, pour savoir la différence, en gros, vous vous tapez un peu dans le mur. Si ça fait un bruit comme ça, ça c'est du plâtre. Si ça fait un bruit creux, c'est sûrement du placo-plâtre. La résistance n'est pas la même, c'est-à-dire que si vous appuyez, là ici c'est vraiment dur, on ne peut pas enfoncer. Si vous avez du placo, en fait, en général, on peut un petit peu, c'est un peu souple. Alors, si vous avez du placo-plâtre, vous allez devoir utiliser des mollis. Alors Molly, c'est une marque, hein, mais bon, comme ça, tout le monde voit de quoi je parle. Le système Molly, c'est une cheville qu'on enfonce dans le placo. Et en fait, avec une pince, on va venir tirer la vis ici, qui va rétracter ça. Elle va venir se mettre un peu en étoile, en fait, contre le placo. Ça nécessite d'utiliser une pince spéciale. Et cette pince, elle va être capable de tirer sur la tête, et donc de venir vraiment... rétracter de ça lorsque la cheville sera en place dans le placo. Alors après, il y a plusieurs types de chevilles, hein. Elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins longues suivant la charge qu'on peut leur donner. Ça, c'est plutôt de la faible. Ça, c'est plus gros déjà, plus grosse charge. Donc bah, soit vous mettez beaucoup de comme ça, soit vous mettez quelques comme ça, mais bon, ça dépend aussi de la charge que vous comptez mettre sur vos plateaux de placard. Alors moi ici, je ne suis pas en placo, je suis en plâtre traditionnel, on va dire. Donc je vais utiliser un système de vis et de cheville. Alors suivant évidemment les longueurs et les diamètres de vis, on a une résistance plus ou moins importante. Et surtout, il faut bien utiliser une cheville adaptée par rapport à la vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder en fait, une fois que ma vis sera dedans, qu'est-ce qui me reste comme longueur de cheville. Faut prendre des choses adaptées. Hein. Bien sûr, il faut aussi faire en sorte que ça se passe bien au niveau du vissage ici. Bien que ça accroche. Alors ici, on a notre tasseau de 40 cm. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais mettre 3 fixations dedans. Donc je vais prendre la moitié et je vais mettre les fixations des bouts en fait à 5 cm du bord. Alors j'ai fait mes marquages dans mon tasseau. Donc maintenant, je vais creuser des trous. Alors une fois que les marquages sont faits dans les tasseaux, on va utiliser une mèche à bois de 6 mm.
En l'occurrence, c'est du 6, hein, c'est ce qui va aller après, ce qui va permettre de passer les vis à travers les tasseaux. Alors ici j'ai mon marquage à 60 cm, donc je prends un tasseau avec une vis comme ça, je vais en fait le positionner là où il doit être, donc c'est-à-dire que je vais toucher le fond. Moi je vais le mettre arbitrairement juste en dessous le marquage, je vais le mettre à niveau, donc je vais poser un niveau sur le tasseau et je vais appuyer avec la vis pour marquer le plâtre. Et comme ça je saurai après où je dois percer. Donc ici en zoom, on retrouve mon marquage au centre de 60 cm et ici ce que ma vis a fait dans le mur. Si vous ne pouvez pas faire ça, utilisez un crayon ou n'importe quoi qui passe à travers le tasseau qui est capable de marquer le mur. Bon alors ici j'ai toujours ma mèche à bois de 6, donc pour le plâtre la mèche à bois c'est l'idéal. Donc je vais commencer à faire un trou avec le 6, de toute façon il faudra que je l'agrandisse. Bon là je sens qu'il y a un autre matériau derrière, donc je disais la mèche à bois idéale pour le plâtre, oui enfin surtout pour le placo parce qu'on est sûr de passer à travers. Là manifestement il y a de la brique derrière, donc je vais passer en mèche à béton. Alors là je suis passé en mèche à béton 6, donc par rapport à mon réglage ici je mets en percussion, j'ai un réglage de puissance ici, je le mets à 2, en gros là je mets tout à fond et c'est parti. Ok, donc j'ai de la brique derrière. C'est pour ça qu'il y a du rouge qui est sorti. Voilà, ça ce sont des déchets de briques. Bon, alors là évidemment j'ai fait un trou en 6, puisque c'était le diamètre de ma vis. Alors forcément la cheville elle est plus grosse. Il va falloir que je fasse un trou un peu plus gros. Donc je vais aller par approximation, je vais faire un trou en 8, je vais voir si ça va bien. Sinon du 9, voilà. Bon là pour agrandir le trou, je peux directement le faire avec la mèche à béton. Surtout, il faut aller bien droit, bien sûr. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser un maillet. On va mettre gentiment la cheville en place. Donc là, j'ai une vis prépositionnée. Je vais mettre mon tasseau en place. Bon là, il est juste positionné comme ça, hein, pour qu'il reste à sa place. Maintenant, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc à ce stade, j'ai mes deux petits tasseaux sur les côtés. J'ai fait des marquages sur mon tasseau du fond à intervalles réguliers. Maintenant, je vais les percer. Alors, petite remarque en passant. Si vous savez que vous avez plusieurs plateaux à faire et que le placard en fait, est exactement aux bonnes cotes, partout, les mêmes cotes, que tout est à niveau, etc. Vous pouvez industrialiser, hein, c'est-à-dire vous pouvez faire directement 6, 8... tasseau à la même taille, vous pouvez faire 3-4 comme ça, avec tous les perçages aux mêmes distances, etc. Comme ça, ça évite d'ailleurs de changer de forêt tous les 3 secondes. Enfin voilà, ça va beaucoup plus vite. Alors, une fois qu'on a donc nos tasseaux sur les côtés, on veut positionner le tasseau du fond. Alors, j'ai mis un truc temporaire ici avec un serre-joint. Bon, ici, il manque un peu de longueur, sinon j'aurais mis le serre-joint en direct, comme j'ai fait ici. Ensuite, on vérifie que tout est à niveau. On met à niveau ici, on met à niveau, on met à niveau, on met à niveau. Donc une fois que tout est à niveau, l'idée c'est encore de faire les marquages partout, donc avec la mèche, hein, soit on perce directement dans le plâtre, soit on fait juste des marquages. Et ensuite, ben, on fait évidemment pareil, un chevillage et fixation.
à noter cette visseuse à percussion qui est très pratique. Elle est capable de vraiment serrer très fort. Après, bien sûr, on peut le faire à la main. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va placer le plateau. Alors, l'idée, c'est de le placer blanc pour voir un peu ce que ça donne. Maintenant qu'on a mis le plateau à blanc, on contrôle que les tasseaux sont bien plaqués contre le plateau, ce qui garantit un appui maximum. Il va juste me rester à fixer ce plateau, donc à l'empêcher de se translater comme ça, de se lever. Je pense qu'une simple vis de chaque côté comme ça et comme ça devrait suffire. Ça ne va pas subir des efforts monumentaux. C'est surtout, en fait, il faut que l'empêcher de s'écraser. Et ça, c'est les tasseaux qui font le boulot. Alors, pour mes vis de fixation de plateau, j'ai pris de la vis de 45 mm. Comme ça, ça permet de vraiment passer à travers le plateau. Et ici, je vais avoir une longueur de vis qui permettra d'aller bien dans le tasseau sans le transpercer. Alors oui, donc tout à l'heure, je disais, je vais mettre une vis au milieu ici. Dans les faits, bon, j'ai changé d'avis parce que, bon, d'une part, il faut quand même faire attention au tasseau qui est en dessous. Faut pas oublier qu'on avait des vis qui étaient comme ça, donc si je les mets au milieu, j'ai des chances de retomber sur la vis, même si le tasseau est un petit peu décalé. Bon bref, tout ça pour dire que finalement je vais prendre 10 du bord ici, je vais mettre une vis, 10 du bord là je vais mettre une vis, pareil de l'autre côté. En partant du principe qu'en dessous j'ai un tasseau de 3 cm, donc je vais faire mon trou de vis à 1,5, 1,3, 1,5 à peu près. Là, on est sur une partie du plateau qui sera visible. Donc, petit détail finition, si vous ne voulez pas que ça donne ça, parce que même quand on serre, la tête va toujours rester un petit peu, vous pouvez ajouter sur votre foret ce petit système-là. C'est-à-dire que le foret vient là. Donc, on perce, et à la fin, c'est ça, en fait, qui va venir faire une petite forme creuse à l'intérieur, ici, plus large, qui va laisser la place pour la tête. Voilà. Bon, évidemment, j'aurais pu le faire dès la première fois, hein. Mais c'est pour vous montrer que c'est optionnel. Alors maintenant que notre plateau a été percé, on a la place. Alors là, on contrôle, on s'assure que le plateau et bien au fond, et on va fixer. Voilà, donc j'ai fixé l'autre côté aussi. C'est bon, on a un plateau terminé. Voilà, donc il suffit de faire tous les plateaux de la même façon. Autant que vous voulez, jusqu'où vous voulez, et puis voilà, ça vous fera un placard complet. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait plusieurs plateaux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à évidemment ranger tous mes outils et passer un coup de soufflette, de balayette ou je sais pas quoi, parce que évidemment, à chaque fois qu'on perce du plâtre, ça fait de la poussière de plâtre. Et il faut faire attention aussi d'utiliser un aspirateur, c'est pas forcément une bonne idée, ça peut bousiller l'aspirateur. Voilà. Nos étagères sont terminées. Donc ce tuto brico est terminé. Et pour les plus impatients, bien sûr, je vous annonce aussi que les tutos mécaniques reviennent. Allez, à bientôt !